Quelqu'un ne peut pas rentrer de l'assemblée et se reposer. Ça, c'est même quoi? À l'assemblée, ça sonne. À la maison, ça sonne. Partout, ça sonne. Hé, c'est le chauffeur. Alors? Ouais. Mais tu m'appelles pourquoi en plein repos comme ça? Tu ne sais pas que l'heure, c'est l'heure que je me repose. Quoi? Et tu es en route avec le bus. Et ça fait quoi si tu es en route avec le bus? Les policiers t'ont arrêté. John, les policiers t'ont arrêté où? À Bomniébé. Dis-le que c'est le bus de transport du député. Dis-le que tu n'as pas mon chevalet que je t'avais donné là-bas, que tu marchais souvent avec. Dis-le que c'est le bus de transport du député, honorable cheval d'Afrique. Dis-le que c'est le bus de honorable cheval d'Afrique. Est-ce que tu me comprends bien ce que je suis en train de te dire là? Hein? John, tu es bête ou quoi? Ils t'ont pris les papiers. Attends, le problème, la faute, c'est quoi? Quelle est la faute que tu as fait pour qu'on mobilise un bus de transport avec les passagers dedans comme ça? Les passagers là ne partent pas pour travailler quelque part? Jusqu'à quoi tu m'as... Le motif, c'est quoi? Tu as un défaut de quoi? Visite technique? Visite technique, quand ça finit, toi-même, tu ne peux pas me dire. Et quoi encore? Ton permis est périmé. Tu es en route, tu roules avec. Bon, attends quelques... Donne le policier, donne le téléphone au policier. Que c'est un contrôle mixte. Donne le téléphone au policier. Ou c'est le gendarme. Ils sont mixtes. Donne le téléphone. Oh. Allô? Ouais, mon adjudant. C'est honorable cheval d'Afrique. Ouais. Je dis, c'est honorable cheval d'Afrique. Il y a le véhicule là. C'est mon chauffeur. John, que vous voyez, c'est mon chauffeur. Il n'y a pas de problème sur la visée technique. Mais j'ai quand même l'humidité parlementaire. Hein? J'ai quand même une humidité parlementaire pour que tu laisses ça circuler. Je vais résoudre le problème avant qu'il n'arrive même à Douala. Il faut seulement les laisser. Avec les passagers comme ça, tu ne peux pas les mobiliser comme ça sur la route. Non, laisse. Il fait le dur. Il faut lui donner ton numéro. Je vais te faire quelque chose sur ça. Je vais t'envoyer ta billet. Laisse la voiture partir. Je vais t'envoyer ta billet sur le numéro que tu vas lui donner. Envoie-moi le numéro et prends aussi mon numéro comme ça. Alors, oui, mon adjudant, je dis que laisse. Envoie-moi ton numéro sur le message. Quand tu vas me envoyer, je vais t'envoyer ton bien, ta bien sur ça. Oh. Oui, laisse-les circuler. Laisse-les continuer. La roue est usée. La roue, les pneus. Laisse-les circuler. J'ai quand même l'humidité. Il faut les laisser circuler, s'il te plaît. Oh, vraiment, merci beaucoup. Il faut que je résolve ce problème. C'est quoi? J'ai quand même les relations pour les visites techniques. Allô, monsieur Mbando.
C'est le député. Honorable cheval d'Afrique. Voilà. Comme toujours. Si tu es prêt, tu sais que sur l'autre bus là, est sur la route de Douala. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait la visite technique de ça. Fais-moi la visite technique de ça. Tu envoies. Comme ça, quand le chauffeur va arriver à Douala, il va retirer seulement. Fais-moi ça vite, monsieur Mbondo. Oui, c'est la CE428. CE428. Oui, tu as ça dans ton ordinateur. Hein? Écris la visite technique. Tu peux même envoyer à ma secrétaire. Ma secrétaire va le expédier ça là-bas à Douala. Comme ça, quand il va rentrer, on ne va pas le déranger. Il y a même son problème de permis là. Qu'on dit que c'est périmé. Tu as quelqu'un qui peut nous faire ça, non? Non, il filme sa photo, il l'envoie sur ton téléphone. J'ai ton numéro. On fait ça. Le certificat médical, que c'est quoi? Pour faire ça, il faut quoi? Sa présence? Non, laisse, je vais gérer pour le certificat médical. Faire la visite technique. Il va t'envoyer sa photo. Il va t'envoyer sa photo sur ton téléphone. Je vais appeler la personne qui va t'envoyer le certificat médical maintenant. Est-ce qu'il faut la présence de quelqu'un pour faire le certificat médical? Oh. J'ai l'humilité. Laisse comme ça, je vais appeler la personne pour le certificat médical. Quand vous avez l'humidité parlementaire, les gens sont en train de montrer. C'est quoi? On peut m'immobiliser le bus d'un député? Allô, Madame Mariama. Ouais. Oui, l'honneur que il me vaut, l'honneur que je te vaut, c'est que je t'appelle parce que j'ai urgence là. Tu connais mon chauffeur là que dernièrement il était chez. Que j'avais envoyé son nom pour que tu fasses son certificat médical, non? Oui, fais-moi le certificat médical. Tu n'as plus son nom? Comment ça, tu n'as plus son nom? Je t'envoie son nom complet là. Oui, c'est pour conduire. Oui, tu vas lui faire un certificat médical pour conduire. D'accord. Fais-lui un certificat médical. C'est urgent parce que la personne qui va faire le permis attend ça que maintenant. Écris ça vite, vite. Je vais envoyer quelqu'un pour venir chercher. Je vais faire le message avec son nom complet. Ok. Oh, Mariama, la personne va venir avec ton jus. Hein? Tu sais que tu es musulman. Je ne peux pas t'envoyer la bière. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu as déjà l'imprimé. Fais ça vite, fais ça vite. Le docteur avait déjà signé depuis. Hein? C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci, Mariama. Oh, vraiment. On m'appelle pour me perturber pour les choses inutiles comme ça. C'est des trucs qu'on peut gérer sur place, sans bouger. Les gens appellent. Oh.